Yep, tout le monde, c'est Warity. Aujourd'hui, on se retrouve sur le LP. Donc, ça faisait un petit moment. J'avais mis ça en pause pendant un petit moment. Donc, aujourd'hui, c'est la rentrée. Enfin, la rentrée qui est déjà passée. Aujourd'hui, sur le LP, on va faire pas mal de choses. Alors, en premier lieu, on va faire un petit peu de Redstone. Je vais vous expliquer brièvement en fait ce qui va se passer en partie Redstone. Ensuite, on va modifier donc l'hôtel qui est juste ici. Ensuite, alors cette attraction-là, donc les Vikings, est finie. Normalement, oui. Ensuite, faudrait qu'on remodifie cette partie-là. Donc, celle-ci, je vous rappelle, cette attraction était donc à l'époque la bataille du donjon, mais maintenant c'est le secret de la lance. Donc, on avait modifié au dernier épisode ça, donc on avait rajouté tout ça. Donc, on va le laisser. On va en fait faire un mur en plus, juste ici, hop, jusqu'au bout. Et puis, on va faire aussi la partie redstone. Donc, on va copier le même système qui est à l'arène ici. Hop, petit rollback. Donc, ici, ça sera pas tout à fait le même parce que à l'arène, je vous ai expliqué ce qui va se passer. Mais dans celui-là, ça va être à peu près pareil. Donc voilà, il y aura juste un assez gros système à l'intérieur de ça. Donc, mais bon, on verra ça juste après. Bon, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi il n'y a pas eu d'épisode pendant les vacances? Tout simplement parce que j'ai décidé, j'avais envie de faire une petite pause au niveau de la série parce que j'étais en vacances, j'avais pas envie de me casser les couilles à faire un LP. Je sais que ça fait pas mal de vues, mais j'avais pas trop envie en fait de faire un épisode. Alors vous aurez remarqué que je suis passé en toute dernière snapshot. Enfin, c'est même pas la snapshot, c'est la dernière version. Donc c'est la 1.8. Et en fait, est-ce qu'on peut mettre un petit peu plus foncé? Non. Et en fait, j'avais pas envie de me casser les couilles à faire un LP parce que ça prend extrêmement beaucoup de temps à tourner. Bon, j'ai choisi de pas en faire pendant les vacances, mis à part un épisode, mais qui était un épisode malgré tout tranquille. Mais bon, donc on va attaquer la Bienvenue partie dans tout le Redstone en système. espérant Alors de là, pas c'est trop avoir de tout lagging. simplement un Donc, timer. très simple avec des Voilà. boucles avec Tu masse vas de procéder répéteurs comme tu haptiques. peux. Donc pour faire circuler le courant, ça fait une boucle comme ça, boot. D'ailleurs, normalement, ça devrait être activé, mais je sais pas pourquoi c'est désactivé. Alors, on va l'activer tout de suite. Une petite torche de redstone. Voilà. En épargnant les bugs, s'il vous plaît. Toc. Bon, elle est assez grande la boucle. Normalement, elle devrait pas être si grande que ça. Donc voilà. On verra ce qu'il y a juste après derrière. Hop, ça aurait été normalement. Et voilà. Elle était juste un petit peu trop longue. Voilà. Celle-ci est très très rapide. Voilà, il y a juste un répéteur. Alors, bon, là, c'est le fil de Redstone. C'est juste derrière en fait que ça se passe. On va aller voir ça juste ici. On verra ça juste après. Alors là, en fait, c'est tout simplement une cloque normale. Donc avec. Oula. Je sais pas pourquoi j'ai des petits lags comme ça. Hop. Voilà. Donc avec, comme on peut le voir, masse de stack. Donc un hopper entier rempli. Bon, pour l'instant, c'est une cloque. En fait, quand il y aura tous les stacks, on va voir qui vont être passés. Ça va switcher de l'autre côté. On va voir ça tout simplement maintenant. Il reste encore un stack quand même. Donc en fait, le bloc de redstone va switcher de ce côté-ci. Donc celui-là va s'éteindre, mais celui-là va se rétracter. Du coup, la redstone, enfin le circuit de redstone ne va plus s'allumer. Donc du coup, la boucle qui ici, qui met une impulsion toutes les, je sais pas combien de temps. Comme on peut le voir, ça va mettre une petite impulsion. Tac. Impulsion très très rapide. Eh bien, quand tous les stacks de roches seront. Enfin, ça peut être autre chose que des blocs de roches, mais ça peut être n'importe quoi. On va le voir maintenant. Voilà, ça vient de switcher. Donc là, en fait, la cloque s'est arrêtée. Toc. Voilà. Donc le courant ne passe plus.
s'arrêter juste après. En soi, je pourrais la laisser tourner. D'ailleurs, c'est ce qu'on va modifier le circuit. Faudrait qu'on la laisse comme ça. Sauf qu'après, il faut toujours la rallumer. Donc ça, c'est le petit côté un petit peu chiant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça comme ça. Toc. Et le piston, on va tout simplement le décaler juste ici. On va prendre un bloc. Du coup, ça, on peut détruire. Je suis désolé aussi si on entend mes clics de souris. Ma souris est bien, mais un peu trop bruyante. Donc, bon. C'est pas très grave. Toc, donc là, on va pouvoir remettre ça. Voilà. Très très rapide l'impulsion, c'est nickel. Donc, on récupère le courant qui est juste ici. Toc. On va le mettre là, le piston. Hop. Hop, on va mettre cela. Donc, quand c'est rétracté, ça bouge pas. Toc. On peut voir que c'est plus rapide juste là-bas pour accélérer un petit peu. Hop, donc pour récupérer le courant, on va foutre un autre là. Alors, en soi, j'aurais pu laisser ça, mais bon. Par contre, j'ai un truc que je... Ouais, non, ça l'aurait pas fait de toute façon. Ouais, donc... Toc, comme ça, et après, ça récupère le courant. Donc en fait, la boucle, elle ne bouge jamais. Elle est tout le temps activée, sauf que la liaison entre ces deux répéteurs se fait par un bloc. Simplement parce que il y a le signal qui va être récupéré dans ce bloc-là et qui va être injecté dans l'autre. Donc en soi, il n'y a pas de problème. Alors cette arène, avant que on fasse autre chose, cette arène en fait, ça va être une mob arena. Parce qu'on peut le voir, il y a des dispensers. Alors j'aurais pu mettre en soi des commandes blocs, mais c'est qu'en fait, dès que je mets la commande, en fait, les mobs spawnent et après despawnent. Donc. Je suis obligé en fait de mettre des dispensers. Bon, rassurez-vous, les trous vont pas rester comme ça. Ça va pas être apparent non plus, mais on peut voir quand même que là, il y en a un qui a spawn. Voilà. Il y en a même plusieurs qui ont spawn. Sauf qu'après, ils despawnent. Je viens de comprendre pourquoi en fait les mobs despawnent, tout simplement parce que je suis en difficulté. Difficile, c'est pour ça qu'il ne spawn pas. Donc du coup je voilà, donc là par contre les mobs spawn, donc par contre ils spawnent dans le dispenser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va péter tout ça. Toc, je sais pas pourquoi d'ailleurs ça pas fonctionner juste ici. Ah oui, parce qu'elles ont pas spawn, simplement parce que les araignées font 3 de blocs, donc et non pas 1, donc ça aurait pas pu spawn. Donc toi, tu vas t'en aller, s'il te plaît. Ce serait sympa. S'il te plaît. Bon. Déjà, je vais faire un slash clear. Ça marche. Oui, c'est bien. Ça y est. Toc. Et je vais me remettre en difficulté. Paisible si je peux. Mince, paisible. Oula. Bref, c'est pas grave. Hop. Maintenant, on va se remettre en difficulté. Oula. Petit bug. Hop. Désolé. On va se remettre en difficulté normale. Hop. Sans bug, s'il vous plaît. Donc, en difficile pour que les mobs spawnent. Quand même. Oula, excusez-moi de ces petits bugs. Alors, on va se give slash give moi le commande. Voici ça, bloc. Pourquoi je mets pas 137? L'idée du commande bloc, tout simplement parce qu'on va faire le test. On va voir que la commande ne va pas être reconnue normalement. Voilà, elle n'est pas reconnue. Donc du coup, on est obligé de mettre commande bloc. Hop. Donc désolé pour les petits bugs, je suis encore désolé. En mode difficulté, voilà, donc c'est plus pratique. J'ai rentré toutes mes commandes dans les commandes blocs, donc c'est toutes les mêmes, sauf qu'on n'a pas mis le même mob à chaque fois.
Alors c'est très simple, c'est slash summon zombie, donc bien la majuscule à zombie. Une petite vague, tout simplement pour dire qu'on veut faire spawner là où on a entré la commande. 4, tout simplement parce que quand on fait F3, on voit que le Y, hop, attendez 2 petites secondes, on voit que le Y, donc X c'est moins 5, Y c'est 4, donc le 4 c'est cette couche là, donc c'est cette couche là. Donc vu qu'on veut pas que ça spawn entre ça et ça, et on veut bien que ça spawn sur le sable, on met 4. C'est juste pour un côté esthétique, et c'est pour également éviter que les mobs spawnent dans les blocs, donc c'est plus pratique. Et puis donc on met une autre petite vague pour dire que eh bien nous avons mis la enfin que on, là où on a mis la commande. J'ai galéré un petit peu. Donc on fait pareil avec le creeper, donc avec toujours une majuscule sur les mobs. Pareil pour la spider et pour les squelettes. Voilà. Donc ça c'est très simple. Pour ce qui est d'invoquer des entités, c'est très simple. Maintenant, on a juste à mettre le petit système. Alors, je l'ai arrêté. Donc, on va pas pouvoir. Enfin, si, on va pouvoir faire le test maintenant. Toc. On va voir si ça fait bien spawn les mobs. Voilà. On voit bien que le squelette est spawn. Donc, c'est par défaut. Donc, l'armure avec une armure. Lui avec rien. Et puis, donc, l'araignée. Et le squelette, voilà, donc tout marche bien, nickel. Donc pour ce qui est en aide, la mob arena, c'est nickel. Par contre, c'est le petit inconvénient, c'est ce qu'on voit dans le chat. Bon, par contre, il reste juste à faire l'éclairage. Bon, ça c'est rien de bien méchant. Par contre, ça arrive à spawn quand même sur les, sur ça. Bon, bref, c'est pas très grave. En tout cas, on voit que ça spawn très très bien pour une mob arena assez diff. Enfin, difficile, facile, ça va, enfin, y a pas trop de problème. Par contre, c'est au niveau des spawns, il va falloir gérer ça, parce que par exemple, les creepers peuvent péter, donc faudra quand même faire gaffe. Bon, là, on va boucher, parce que oh merde, c'est pas avec ça, c'est avec ça. Donc, pour ce qui en est de la mob arena, c'est pas trop mal, ça spawn plutôt bien, donc c'est nickel. Il y a juste l'éclairage à faire. Maintenant donc la partie redstone dans les Vikings, il n'y a rien à faire, donc on va pas y toucher pour le moment, sachant que l'attraction est quand même assez bien réussie, donc bon, je pense pas y toucher tout de suite. Je me rappelle plus si j'avais upload la vidéo où j'avais construit le bal des oiseaux fantômes. La vidéo était bien, mais c'était l'infrastructure en fait du bâtiment, c'était un petit peu trop en rond. Donc on va recommencer, je vais la recommencer en off, bien évidemment, pour le prochain épisode, si j'y arrive. Là par contre, il y a juste un petit truc à modifier, c'est les côtés. Mais bon, sinon il n'y a rien de trop bien méchant. Le bateau est pas mal réussi, il reste juste un petit peu les barrières qui sont pas très très, enfin c'est pas trop trop sain encore. On peut voir aussi une modification dans le jeu, les sévères entre les feuilles, c'est pas mal fait. Bien, donc tout ça c'est fait. Maintenant on va attaquer la partie redstone, la déco on la fera après, la partie redstone du château. Alors pour cette partie redstone, j'aimerais bien utiliser les leviers, sauf qu'il y a un bug qui fait que on peut les poser mais on les active. Ah, quand on les activait sur les hoopers, ils sautaient. Bon, bref, c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir les utiliser, donc ça c'est pas mal. Là en soi, je pourrais mettre du bois. Alors, ce qui serait bien, si on pourrait jouer avec les command blocks, c'est en fait de faire monter, avec un petit coup de lag, cette serait de faire monter cette, on va dire, planche en bois. Tout au long de ces trous pour un petit côté esthétique, donc ce qui fait qu'en fait la porte en fait monterait en avant. Alors ça c'est ce qui serait bien à faire avec des command blocks. Maintenant faut que je trouve la commande pour TP des blocs, ou alors sinon on s'amusera avec des pistons.
avec des extenders et même avec des double extenders ou des même triple extenders, voire des quadruple extenders, ça va très très loin. Tirer en fait tout ça. Donc, si on fait avec des pistons, je sais comment faire. Donc, par exemple, ce bloc-là est tiré, boum, hop, après il est retiré par un autre piston qui sera là, hop, on fait ça avec tous les pistons. Mais j'aimerais bien m'amuser plus avec les commandes blocs de faire monter ceci jusqu'en haut. En soi, on pourrait faire ça avec un mode ou un plugin. Si je suis sur un serveur, je pourrais faire avec un plugin. Le plugin se nomme Elevator. Je pourrais le faire, mais le mieux ce serait quand même avec les commandes blocs. Donc, je vais essayer de trouver la commande avec les commandes blocs pour TP des blocs. Alors, ce qui veut dire TP des blocs veut dire profonde recherche, on va dire. Toujours avec ces petits bugs, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Par contre, ce qui va être chiant, c'est que peut-être que les commandes blocs vont être visibles. Peut-être, je dis bien peut-être. Ah, mais bon. Si j'arrive à les planquer, ça sera cool. Bien, donc, de toute façon, après, je peux les changer là. Bien, donc on se retrouve. De toute façon, je peux les mettre même à 3 km. Ça commande assez sympathique. Bref, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les commandes. Et qui marche là, d'ailleurs. Je vais faire le système. C'est merveilleux. Alors par contre, les commandes sont bien, mais sont à peine justes. Je vais vous expliquer pourquoi elles sont à peine justes. On peut voir que ici, nous sommes en donc 702, 5 et 814. Pour que le bloc spawn là où je veux, donc c'est-à-dire là où je suis, eh bien, nous sommes obligés de tricher un petit peu au niveau des deux propriété des blocs, c'est-à-dire au lieu du moins 702, on est obligé de mettre moins, ben, du moins 702, on est obligé de mettre du 703 et 804, moins 814, on est obligé de mettre du 815. Faut essayer de tricher un petit peu avec les blocs, c'est ça qui est un petit peu chiant. Donc c'est ce que j'ai fait dans le command block 703 815. Jusque là tout est bon. Maintenant on peut pas mettre l'idée du bois qui se trouve ici. Là, je suis obligé. Normalement, je pourrais mettre 5.2.1 vu que c'est le bois normal, sauf que il met qu'un type de bloc, qu'un type de bois. Donc du coup, je suis obligé de mettre le bois clair. On va voir ça tout de suite que ça marche. Vous êtes d'accord, il y a aucun bloc juste ici. Mais on va en mettre un. Oula. Petit problème. Toc, voilà. Donc c'est très simple, il suffit juste d'activer le levier. Toc. Voilà. Hop. Et on peut voir que le bloc est bien apparu à la place où je voulais. Alors pour mettre ça jusqu'en haut, c'est très simple. Il suffit au lieu de mettre la 5 dans le milieu. Hop, il y a un petit rollback. Au lieu de mettre 5 dans le milieu, il faut mettre 6. Donc du coup, on va mettre la même commande juste ici. Mais au lieu de mettre 5, on va mettre 6. Et ensuite, quand on voudra se décaler sur le côté, au lieu de mettre 815, on va mettre 814 ou 813. On va le voir tout simplement comme ceci. Hop, ici on voit que je suis en 813 et là je suis en 814. Donc au lieu de mettre du 813, on va mettre du 814 là, ensuite du 813 et ensuite du 812. Il y a juste ça qui va changer et le chiffre du milieu. Le moins 703 est déjà mis donc par défaut. Enfin par défaut entre guillemets parce que c'est ce juste la truc qu'on veut que ça se mette, c'est la coordonnée stable, on va dire. Par contre, en haut, on va pas monter jusqu'en haut, mais dans les deux rangées du milieu, on va mettre des command blocks, mais qui vont s'arrêter juste ici. Donc, faut compter le nombre de blocs qu'il y a. D'ailleurs, j'ai modifié un petit peu la porte parce que sinon, il y allait avoir masse de command blocks dans cette petite salle, enfin, dans cette petite salle, dans ces petites donjons. Du coup, je les tisser un petit peu, elle est peut-être un petit peu plus jolie que l'autre, donc c'est nickel. Donc voilà, donc je vais faire ça avec tous les blocs, donc faut compter le nombre de blocs et il y aura le nombre de commandes blocs par il y a un commande bloc par bloc. Donc j'ai mis toutes les commandes, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les commandes blocs pour compter tous les blocs qui sont juste ici. Alors en soi, c'est très simple à comprendre. Déjà en premier, faut savoir que ça marche par tronçon. D'ailleurs, je vais juste enlever hop, ceci. Faut savoir que ça marche par tronçon. Quand on veut mettre les blocs, on a juste activé ce levier et ensuite ça va dans
tous les commandes blocs et jusque dans cela. Donc toutes les commandes en fait sont dedans. Donc c'est slash 7 blocs comme je vous l'ai montré tout à l'heure, moins 703. Donc on décale, souvenez-vous, donc le 703 on n'y touche pas. On décale, souvenez-vous, donc le Z, donc le 815, donc vu que ici, là on se déplace en Z, mais nos coordonnées, comme on peut le voir, nos coordonnées, nous sommes en 715. Le 715 en fait ne bouge pas, ou alors bouge très légèrement, mais en fait on bouge principalement le Z, comme on peut le voir. On est toujours en fait sur le 715. Il y a juste après la virgule les chiffres qui bougent, mais ça c'est plus pour une précision optimale. Ça bouge de quoi? 3-4 mm, même pas. Donc, là par contre, si je bouge de bloc en bloc, et vu que j'aurai sur cette ligne de bloc là, c'est normal. Enfin, je veux dire, on n'est pas précis sur les blocs qu'on les pose, ça fait tout le bloc. Enfin, on n'est pas, oui, donc faut pas que ça se déplace là, c'est pas une entité, c'est un bloc. Donc voilà, c'est juste pour ça qu'on a décalé les blocs, parce que là par contre, si on mettait du 701, ça venait par ici, donc c'est normal en fait. Donc ça va bien pour les mettre. Par contre, le seul inconvénient, c'est dans le chat, on peut voir que ça met bloc placé, bloc placé, bloc placé. Voilà, donc tout est mis. C'est nickel, c'est propre, c'est net. Maintenant, on va. Oula, petit lag. Maintenant, on va enlever tout ça. Maintenant, comment fait-on pour enlever les blocs? Eh bien, c'est la même commande, sauf qu'à la place de mettre Minecraft 2.planks, eh bien, on met R. On met tout simplement de l'air à la place des blocs. Ce qui fait qu'en fait, on appuie dessus, brut, et tout dégage. Voilà. Donc, ça, c'est très, 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 très bien. Maintenant, il faudrait avoir une sorte, entre guillemets, de régie en fait, pour en fait que on commande l'arrivée en fait de la porte ou le départ de la porte. Maintenant, on va faire la déco. Oula, je suis trompé de touche. Tac. On va faire la déco parce que quand on regarde des gradins, on voit que c'est absolument dégueulasse. On voit tous les commandes blocs. Donc pour ça, c'est très, 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 très simple. Eh bien, nous allons mettre de la laine noire, comme ça va faire un effet de profondeur, entre guillemets. Toc. J'ai chaque fois entre guillemets. Hop, on va mettre tout ça comme ceci. En fait, on va faire une sorte d'antichambre, comme ça. Donc, en fait, on va faire un petit Bien, système Justine, juste après dis-toi, en fait, ce de que j'ai piston fait, c'est que ça servit pour strictement à rien. camoufler. Pas Donc, du qu'on coup, en voit fait, j'ai choisi des en choses fait absolument dégueulasses. de faire des chemins sur les deux côtés en fait Voilà. donc, je vais De mettre l'antichambre, on va tout dire ça comme la ça. laine Je vais noire placer une sur tout. antichambre. Et puis Donc, deux ensuite, on côtés, met les sur piles. les deux côtés, il y a un petit passage donc qui est relié donc jusque-là. Donc, on peut faire le tour tranquillement. Il n'y a pas besoin de porte parce que j'ai regardé quand on vient des coulisses. Hop, je regarde ça. Quand on regarde de la scène, enfin pas de la scène, mais des gradins, on voit pas qu'il y a on voit pas qu'il y a des trous pour sortir. Donc en soi, j'ai regardé, j'ai fait le gros système ne sert à rien. Je me suis inspiré aussi un petit peu d'une map. Je me suis dit, de toute façon, on voit que dalle, donc c'est bon. Et donc en fait, ça sort à l'arrière du château. Par contre, on voit que j'étais obligé de faire une petite montée sur les command blocks, sinon j'aurais pas eu la montée, tout simplement parce qu'il y a ceci. Donc je suis obligé de faire une petite montée en laine. Voilà, rien de bien méchant, mais bon, derrière ça sort, donc c'est parfait, c'est nickel, c'est tout beau, tout propre. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant il reste juste encore un petit peu de redstone encore à faire. Et oui, on n'a toujours pas fini avec de la redstone. Comment on va faire ça? Déjà, il faudrait modifier un petit peu tout ce qu'il y a là. Déjà, c'est creux, c'est une bonne chose. Alors, ce qu'on va faire, c'est que bon, on va perdre ça va perdre un petit peu de place, mais c'est pas très très grave parce que de toute façon, ça va être repris après. Donc, on va faire la régie. Vous l'avez sans doute deviné. Hop. Hop. Il y en a qui se demandent c'est quoi le truc en haut, c'est un spawn. C'est normal.
les narmoles. Hop, comme ceci. Alors par contre, non, ça vient pas. Je, enfin, si c'est bien. Est-ce que on va rester sur le thème du bois quand même. On va faire ça comme ça. C'est globalement noir là-dedans. Sinon, c'est un spectacle de jour, donc on n'a pas besoin de mettre du noir dessus. Donc c'est juste le petit truc bien. Ouais, c'est ça. Je me doutais bien, il y avait un petit truc qui clochait. Donc en fait, j'ai passé au moins une demi-heure là-dessus sans rien changer, quoi. Donc voilà. Alors, toc, toc. Bon, on va faire ça rapidement. D'ailleurs, j'ai toujours un petit peu de bug, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. On va mettre ça comme ça. Bon, elle est pas centrée, ça je sais bien. Mais on s'en fout un petit peu, de toute façon. Le but du jeu, en fait, c'est pas forcément que ça soit centré. C'est le but du jeu, c'est qu'on voit bien tout. C'est ça le mieux. Toc. Oula. Donc cet épisode, je sais pas quand il sera sorti. En tout cas, moi je le filme le mardi, donc le jour de la rentrée. Pas tout en si, enfin, je sais pas encore si je tourne tout le même jour. En tout cas, là, toute la première partie, là, c'est de aujourd'hui. Donc ce sera le mercredi après, parce que je reprends le mercredi. Bref, on s'en fout. On voit quand même globalement bien tout. Il y a juste un truc que je vais faire, c'est qu'il faut deux commandes. Hop là. Donc les deux commandes vont être ici. Tac. On va mettre un petit peu de lumière quand même. Genre des torches. Hein, parce qu'on fait pauvre là-dedans. Tac. Il n'y a pas besoin de toute façon qu'on voit bien tout. Donc, bref. En soi, je pourrais même mettre des boutons. Vu que ça reste allumé. Donc bouton, c'est ça fait mieux. Alors, le truc, je vais le faire sortir par derrière. Toc. Faire par ici. Alors, bon, on a fait pas mal de choses aujourd'hui. Je pense pas qu'on va faire de la déco aujourd'hui. On va plutôt faire ça la semaine prochaine. Et oui, la semaine prochaine, on va prendre le cours du LP normal. Toc. Bon, soit je pourrais laisser comme ça. Là, par contre, ça va pas le faire. Je vais remettre un autre là. Et là, ce coup-ci, je peux descendre. Donc, faut bien isoler les deux fils parce que ils ont pas la même chose. Ils vont au même endroit, mais n'ont pas la même fonctionnalité tous les deux. Donc, on les laisse. Donc, par contre, faut que j'aille creuser, par contre. Ok, c'est ça. J'aille creuser à partir de l'autre, là-bas. Parce que sinon, ça va pas le faire. Hop. Même qu'on perd la sortie. Hop. Même, j'aurais pas dû creuser de ce côté. Ouais, si, en soi, j'aurais pu. Hop. Et hop, voilà. Bon, on va creuser par ici. On va creuser dans le sable. C'est pas grave parce que le sable aura ne sera, sera toujours en gravité, mais vu qu'il y a le fil de redstone qui va être ici, ça va rien changer du tout. Donc autant le laisser. Je suis désolé aussi si vous entendez mes clics de souris. Il va falloir vraiment que je fasse un truc. Et pourtant mon micro est assez loin, mais chope quand même le son. Je sais pas comment ça fait, mais ça chope le son. Hop, je me dépêche parce que j'ai un rendez-vous juste après. Toc, on va l'emmener jusque là. Voilà. Ça tombe pile poil toujours dans le bordel. J'ai eu vraiment de la chance ce coup-ci. Tac, 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 tac. Toc. Donc aujourd'hui, ça sera un épisode de Redstone. Et un petit peu de modification, mais principalement sur le redstone. Donc bon, j'espère que ça va vous plaire. C'est assez compliqué, je vous avoue, la redstone quand même. Il y en a qui vont me dire oui, c'est trop compliqué. Je sais, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà. Bon, bref,
Ça fait partie quand même des épisodes du LP. Fallait bien qu'on les fasse un jour. Donc voilà. Aussi, il faudrait que je vous parle un petit peu de mon d'un projet que j'ai, qu'il faut que je fasse. C'est de copier tous les bâtiments et de les mettre dans un nouvel Overworld. Enfin, comme on l'avait construit, l'accueil et l'entrée, donc c'est normal. J'ai encore beaucoup de choses à faire là-bas. D'ailleurs, on va faire pas mal de choses aussi là-bas la fois prochaine. Bref, on va prendre ceci. Hop. On va pas compter les fils de redstone, on va mettre les répéteurs au hasard. Hop. En tout cas, je sais qu'il faudrait que j'en mette quelques-uns. Mais d'ailleurs, faut que je relie en premier tout ceci. Toc. Hop, je vais reboucher au plus vite possible juste après. Allez, 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 pause. S'en faut pas, je mette tout de suite la redstone parce que. Enfin, le sable, parce que sinon ça va. On va pas savoir où mettre les répéteurs. Donc voilà. Donc. Elle est centrée quand même là. On va juste mettre l'herbe ici. Voilà. Ça fait mieux. C'est plus propre. Alors. Hop. On va emmener ce fil de redstone ici sur le. Alors ça dépend. Le fil de droite c'est pour poser les blocs, donc du coup celui-ci me semble bien. Là où est le bouton, ça me semble bien, ça me semble nickel. On va laisser ça là. Tac, on va l'emmener jusqu'ici. Et puis ça, donc on va l'emmener jusque par là-bas. Là, je prends masse de place et je fais de la symétrie. Je suis un GG. Donc. Alors, par contre, là, je viens d'y penser, ça va pas émettre de courant. Si, ça marche. Bon, bah écoutez. Alors, bon, on va mettre un répéteur juste ici. Même d'ailleurs, je pourrais en foutre un juste avant. Bon, on va le mettre là. Voilà, c'est plus par sécurité que par peur. Bon, c'est quand même de la peur, mais c'est la sécurité aussi. Toc. Voilà. On va mettre un juste avant. Hop. On va mettre un par ici. Parce que les 15 blocs, ça va vite. Une petite dizaine, mais bon, quand même. Toc. Si ça marche pas, c'est qu'il faudra foutre un autre répéteur quelque part. Toc. On fout juste un autre ici. Ça fait quand même de la redstone pas mal sur la map. C'est pour ça que je vais galérer à copier les bâtiments et à les coller. Mais bon, ça c'est mon problème, c'est pas le vôtre. Moi je vous fournis juste la vidéo. Et vous avez juste à la regarder. Bon là je pense que c'est bon. Bon là il n'y a rien à boucher. Oula. Lag. C'est juste. Partir de. Ouais, allez, on va boucher par à partir d'ici. Tac. J'espère qu'on m'entend assez fort. Normalement, oui. Et puis voilà. Toc. Donc. Toc. Voilà. Je finis ça vite fait parce que comme je vous l'ai dit, j'ai mon rendez-vous et c'est à 16h15 et il est 16h09. Heureusement, c'est pas très très loin. Heureusement pour moi. Donc, je fais une petite ellipse.
Je vais à mon rendez-vous. Bien, on se retrouve. Et puis on fait le petit test juste après. Là, ça y est, j'ai juste ça. Je suis revenu, c'était rapide. Voilà. Bon, on va faire le test. Le test, le test comme je, comme j'ai dit, pour la dernière partie de cet épisode, parce que voilà. Du coup, j'aurais tourné ça en un jour. Voilà. Alors, il restera juste à ce que je précise. Ici d'ailleurs, je vais le faire maintenant, que oula petit lag, que ce bouton-là fait apparaître les blocs et l'autre les fait disparaître. C'est tout simplement ça. Alors, là on va mettre apparaître bloc. D'ailleurs, ils ont changé la police sur les, je crois sur les panneaux. Et là, quand on dit ça, on va mettre enlever bloc. Voilà. On va mettre ça comme ça. La petite. Faudrait que je mette. Tiens, je vais mettre une porte. Tiens. On va faire au plus simple. Tu vois, on va prendre une porte comme ceci. Hop là, qui est foncée, qui fait. Mais on s'en fout. Au moins, c'est une belle porte, c'est nickel, c'est tout ce qu'il faut. Voilà. Une porte de type de qualité, on va dire ça comme ça. Alors, on va faire apparaître les blocs. Voilà. On les voit bien apparaître. Nickel, devant et tout. Et là, on les fait disparaître. Voilà. Et voilà. Donc, ça met bloc placé. Mais en soi, on pourrait... Enfin, ça met bloc placé simplement parce que c'est de l'air qu'on met à la place des blocs. Donc l'air est considéré comme un bloc. En fait, il y a partout de l'air. C'est pour ça. Enfin, en théorie, normalement, on pourrait placer un bloc sur de l'air dans Minecraft, mais on peut pas. C'est ça le problème. En fait, je suis en train de faire des gestes et tout, mais sur la vidéo, on voit pas que je fais des gestes et tout. D'ailleurs, petite anecdote, je mettrais peut-être ma facecam, mais vu du haut. Eh oui. Parce que j'ai une autre caméra, mais on peut voir du haut, donc c'est plus pratique. Bref, donc c'est juste pour la petite anecdote. J'aurai pas de fond vert juste à côté, ce sera un gros bordel. Pour l'instant, c'est gros bordel à côté du PC, mais bon, bref, c'est pas grave. Bon, on va faire apparaître les blocs, voilà. On voit que ça marche. Tac, et voilà. Mais bon, il y a quand même des inconvénients, il y a des points positifs quand même. C'est que. Si on aurait vu que ça aurait pas marché, on n'aurait pas tout ce bordel dans le chat. C'est pour ça qu'on voit quand même que ça marche. D'ailleurs, en soi, j'aurais pu rajouter quelque chose. Là, j'aurais pu mettre des barrières qui apparaissent comme ça. Et à la rigueur, j'aurais pu faire quand ça fait disparaître les blocs. Ça, ça aurait pu monter en haut. Mais bon, bon après, c'est peut-être plus pour le côté RP. Parce que c'est vrai que là, ça fait juste poke. Et hop là, ça s'en va. Ça fait juste ça. Je reconnais que c'est pas, on va dire encore que c'est une petite bêta en fait du programme, du produit fini. On va dire ça comme ça. Faudrait que juste que j'améliore un petit peu, c'est que quand les blocs s'en vont, ça jarte. Mais faudrait qu'en fait que j'ajoute une barrière là, une barrière là, une barrière là, et puis masse de barrières ici. Mais les barrières qui seraient là ne bougeraient pas. C'est ça qui serait bien. Du coup, faudrait rajouter une barrière là et une autre barrière ici. En gros, ça fait 3 en plus sur la même rangée ici et 3 en plus sur la même rangée là. Et ensuite, quand on fait monter ça, eh bien, ça s'arrête par ici, quoi. Bref, ça serait à modifier, mais j'ai un peu la flemme quand même de le modifier. Donc voilà, on aura pas mal bossé là-dessus dans cet épisode. D'ailleurs, je vais boucher ceci. On va faire un petit truc un petit peu plus sympathique. Donc on aura pas mal bossé sur la redstone dans cet épisode et c'est bien parce que depuis le temps qu'il fallait faire un petit peu de redstone dans l'épisode du LP, voilà, on avait fait un petit peu dans la cinécénie, d'ailleurs ça s'est fait un peu trop brusque. D'ailleurs pour la petite anecdote, encore une fois, je sais plus si je vous avais montré que j'avais modifié ceci. Je sais plus si je vous avais montré. Je l'ai coupé aussi au final et puis comme ça fait un petit peu mieux. Donc voilà, c'est deux fois plus ressemblant quand même que d'habitude. Enfin, c'est moi je préfère comme ça que avant parce que avant c'était pas du tout ressemblant.
Donc voilà, c'était pour la petite encore anecdote du jour. Voilà. Donc sur ce, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode où on va construire un petit peu. On va faire pas mal de trucs qu'on l'avait déjà fait mais qui ont été avec des bugs de map, trucs dans le genre, qui ont été supprimés d'ailleurs, qui étaient complètement pourraves. Je pense à l'hôtel qui est maintenant vide. Donc j'avais aussi recommencé à faire un petit peu l'intérieur, comme on avait fait juste ici. Ça fait classe d'ailleurs. Et ça tourne là. Donc ça c'était pour la petite entrée, voilà. On avait commencé à faire ça, par contre le bois avait encore buggé. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs le bois a encore buggé. C'est peut-être dans la sauvegarde de la map, mais bon, bref, c'est pas grave. On va pas s'attarder là-dessus, on verra ça au prochain épisode. Et sur ce, ciao tout le monde.